Oui, mais oui, ok. Lucan, le poète du XVIIIe siècle, le saint François d'Assise du bouddhisme, qui savait parler aux plantes, aux insectes, aux oiseaux, était connu dans tout le Japon pour sa sagesse et l'efficacité de ses kitos. Adepte du zen, un sage est délivré du désir, de la vanité, de la peur, quand son moi s'est effacé, quand il est ouvert à l'infini de l'atma, au dedans de soi, alors il peut vaincre sans sabre, sans épée, sans combat. Soudain, l'un d'entre eux remarque le samouraï silencieux, le nez dans son écuelle et les deux sabres magnifiques posés à côté de lui. Ils sont trois, ils posent les mains à la garde de leurs épées, prêts à bondir. À cet instant, le noble samouraï soulève négligemment la baguette qu'il tient dans la main droite et d'un geste coupant et net, vif comme l'éclair, clac, clac, clac. Il abat trois mouches qui bourdonnaient à ses oreilles. Et il se remet tranquillement à manger. Je cite, les scientifiques du comité des cibles préféraient aussi Kyoto parce qu'elle accueillait de nombreuses universités et qu'ils pensaient que les habitants seraient plus à même de comprendre que la bombe atomique n'était pas juste une arme de plus, mais qu'elle constituait quasiment un tournant dans l'histoire de l'humanité. Fin de la citation. Les hommes qui ont sauvé la ville, donc Kyoto, s'appelaient Henry Stimson, secrétaire à la guerre du président Truman, et Langdon Warner, archéologue. D'après la BBC, le premier qui avait l'oreille du président Truman aurait été motivé par des raisons très personnelles, puisqu'il avait visité Kyoto à plusieurs reprises quand il était gouverneur des Philippines dans les années 20, et que la ville aurait été sa destination de lune de miel. Thank you.
Yeah.